Philippe Bass qui fait un méchant, je crois qu'il va être spectaculaire dans ce film. Philippe a mis la pression dès le début, donc il nous tirait, il nous obligeait aussi à pousser, à jouer. J'étais très très content qu'il y ait Philippe parce que au moins il nous mettait la mesure. Je venais de travailler avec lui sur un film, une adaptation que j'ai fait d'un roman de Marc Lévy, qui est un grand mélo, donc qui n'a rien à voir, où il était, je l'avais trouvé éblouissant comme acteur, et j'ai tout de suite proposé à Sébastien. Lui, il a eu vraiment une expérience d'acteur, il est vraiment comédien confirmé. Voilà, c'est vers lui aussi qu'on se tournait quand on avait des choses à demander sur la mise en scène, tout ça. Et, voilà, et pareil, il était toujours là pour nous aider quand il fallait. Il fait le méchant incroyable pour moi, je dis c'est parfait, il court, il dure, il met vraiment d'énergie dans le rôle, que c'est génial, vraiment il te fait peur. Moi quand je le faisais après moi, vraiment il me faisait peur. Viens, allez, allez. Philippe, il aime bien raconter des conneries. Bah remarque moi aussi, hein, donc comme ça on va bien avec. Il a beaucoup apporté au film par son énergie, par sa sympathie, son professionnalisme. Pour moi, c'est une des grandes découvertes de Skater Dive. Philippe, c'était une vraie envie de Miguel que de continuer à travailler avec Philippe. C'était un vrai pari de production, un vrai pari d'acteur. Je suis content de l'avoir relevé.